vois la vallée là? Il y a 5 ans, il n'y avait rien. Et maintenant, le domaine skiable s'étend sur 10 communes. On y va? Non, bah attends, j'admire le paysage. Oh, c'est beau. Puis c'est loin. Eh ben, grâce au capital développement, ils ont pu se développer. Mmh. On y va? Ah, bah attends, on n'est pas aux pièces, là. Alors, le capital développement, tu disais, hein, c'est quoi? Dis donc, tu m'avais pas dit que t'étais une grande sportive, le Mont Blanc, tout ça? Bah oui. Ah ouais? Bah, je m'intéresse, c'est tout. Alors? Eh ben, le capital développement, c'est un moyen pour les entreprises non cotées en bourse de financer leur croissance, tu vois? Si elles ont besoin de financement, elles n'ont qu'à emprunter. Ok. Bon. Tiens-moi ça. Grâce au capital développement, une entreprise peut faire entrer une banque ou un fonds d'investissement à son capital pour l'aider à se développer. Ça lui garantit une sécurité financière et aussi un avis extérieur, mais non intrusif, sur ses choix. La banque a des experts dans chaque secteur, comme l'agriculture, les services... Et c'est quoi l'intérêt de la banque de faire ça? D'une part, ça permet à la banque de soutenir le développement de PME, en les conseillant sur leur développement et en les aidant à créer de la valeur sur le long terme. D'autre part, si en effet la société se développe bien, la banque en bénéficie aussi financièrement en tant qu'actionnaire. Comme ça, les intérêts de l'entreprise et de la banque sont exactement les mêmes. Ah oui, donc la banque détient plein d'entreprises en fait. Elle ne les détient pas. La banque n'est jamais majoritaire au capital. Elle détient en général 10 à 30% du capital. Et elle n'y reste pas plus de 7 ans en moyenne. Comment la banque elle, choisit les entreprises dans lesquelles elle veut investir? Grâce aux relations que l'on a créées avec elle sur le long terme, on est à ses côtés dans les moments stratégiques. Le jour où une entreprise a un projet de développement, on l'étudie avec elle, on valorise la société, on voit combien on peut y investir et sur quelle durée. Son objectif, c'est d'aider l'entreprise, de la lancer sur les rails en quelque sorte. Capital développement, c'est pas mal, hein. Et sinon... Non, alors maintenant on y va, hein. Parce que là, on est à l'abri des crampes, quoi. Oh, moi, de toute façon, les crampes, j'en ai jamais. Ah bah, tu m'étonnes. Pourquoi tu dis ça? Je comprends pas, là.